La Fiat 500 est une icône automobile. L'année dernière, elle s'est offerte une nouvelle cure de jeunesse avec une nouvelle génération 100% électrique. Aujourd'hui, celle-ci bénéficie d'une petite astuce avec l'apparition d'une porte arrière à ouverture antagoniste. Son nom, Fiat 500 3+1, on vous la présente. La Fiat 500 3+1 est originale, c'est une certitude. Toutefois, ce n'est pas la première fois qu'un constructeur installe des portes arrière à ouverture antagoniste. Ainsi, ce fut le cas dans le passé de BMW avec sa i3, de Mini avec son Clubman de première génération ou de Mazda avec ses RX-8 ou plus récemment son MX-30. Les ingénieurs de chez Fiat ont choisi d'installer une porte arrière à ouverture antagoniste pour faciliter bien sûr l'accès à la citadine. Alors, ce n'est pas une première. Alors, chez Fiat, par contre, cette porte n'est pas indépendante. En clair, pour l'utiliser, vous d'abord ouvrir la porte avant. Et ensuite, vous pouvez ouvrir cette porte. Vous gagnez en frais une accessibilité aux environs de 30 cm pour les places arrière. Et cette porte est uniquement présente sur la partie droite du véhicule, donc du côté trottoir. Alors, l'accès à cette Fiat 500 est donc plus facile. C'est une certitude. Par contre, au niveau de l'habitabilité arrière, je mesure 1m80. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de changement. Hein. On est un petit peu, on va dire, contraint, mais c'est des places de dépannage pour des enfants. Là, vraiment, ça joue pleinement son rôle. Il faut noter que l'arrivée de cette porte ne change pas les dimensions de la Fiat 500 qui mesure toujours 3,63 m. C'est une vraie citadine. Concernant le volume de chargement, pas de surprise et pas de conséquences puisque celui-ci monte toujours à 185 litres. Cette nouvelle génération de Fiat 500 qui a servi de base à cette version 3+1 se distingue également par une planche de bord complètement revue qui fait la part belle au numérique, que ce soit au niveau de l'instrumentation ou de l'écran multimédia qui peut atteindre 10,25 pouces sur les finitions hautes. Même si les plastiques sont durs, ce qui est classique pour la catégorie, la présentation globale est très agréable, notamment au niveau du dessin, et propose de nombreux rangements. Au-delà de son look, cette version 3+1 se démarque également au niveau mécanique puisqu'elle est uniquement disponible avec la grosse batterie de 42 kWh qui lui permet de revendiquer une autonomie officielle de 305 km en cycle mixte et même 433 en usage urbain. Il faudra aussi composer uniquement avec le moteur le plus puissant de 87 kW, à savoir 118 chevaux. Au volant de cette Fiat 500 3+1, on retrouve bien évidemment les qualités de la Fiat 500, à savoir une voiture vraiment faite pour la ville avec son rayon de braquage réduit, très à l'aise dans les manœuvres et bien sûr dans les centres-villes. Mais cette nouvelle génération de Fiat 500 qui sert pour base de la Fiat 500 3+1 a énormément progressé sur route. On a affaire à une voiture beaucoup plus confortable, beaucoup plus plaisante à conduire. Exemple, la filtration des bruits d'air et de roulement sont beaucoup mieux effectués. Au final, c'est une voiture quasiment, on va dire, normale, c'est à savoir qu'une Fiat 500 traditionnelle, quand on faisait la route ou l'autoroute, c'était un petit peu fatigant. Là, c'est vraiment plus le cas. On a affaire à vraiment un comportement beaucoup plus plaisant, beaucoup plus affûté, avec une direction un peu plus précise, par exemple. Il y a toujours des mouvements de caisse, mais moindres qu'auparavant. Donc vraiment, le bilan dynamique de cette Fiat 500 en 3+1 est vraiment très positif. Concernant le moteur, elle n'est disponible uniquement avec la plus grosse motorisation, dont la puissance est aux environs de 118 chevaux. Un moteur qui permet d'avoir une vraie polyvalence, capable aussi bien de s'en sortir en ville, bien évidemment, mais également sur route et sur autoroute. Il faut noter que la vitesse maximale est limitée aux environs de 150 km/h, comme beaucoup de voitures électriques. C'est largement suffisant pour cette Fiat 500. Donc au final, s'il faut acheter une Fiat 500, on va dire, il faut l'acheter en électrique, parce que son comportement est vraiment surprenant. Lors de notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 17 kWh au 100 avec des pointes à 22 kWh au 100 sur autoroute, soit une autonomie d'environ 250 km. Il faut préciser que cette 500 dispose de trois modes de fonctionnement, normal, range et Sherpa. Le second intensifie la récupération d'énergie au lever de pied et permet même d'arrêter complètement le véhicule à la façon du système e-pédale de chez Nissan. En cas d'urgence, vous pouvez actionner le mode Sherpa qui limite la vitesse à 80 km/h et coupe tous les équipements énergivores comme la climatisation ou la radio pour vous permettre d'atteindre un point de charge. Justement, pour la recharge, il faudra compter 15h15 sur une prise domestique, 4h15 sur une borne 11 kW et seulement 35 minutes sur une borne de recharge rapide à 85 kW pour récupérer 80% de la batterie.
cette Fiat 500 3+1 est toujours une Fiat 500, je vous rassure, à savoir une petite citadine très agréable à conduire en ville, et le fait qu'elle soit passée aujourd'hui à l'électrique fait d'elle l'une des citadines électriques les plus plaisantes du marché. L'introduction de cette porte arrière, bien sûr, facilite son utilisation quotidienne. Ça ne révolutionne pas l'utilisation de la voiture, hein. Les places arrière sont toujours relativement réduites. Il y en a de même pour le coffre. Mais attention, il faudra quand même débourser 2000 euros de plus que sur la Fiat 500 électrique traditionnelle. Les tarifs sont donc compris entre 29 500 et 36 900 euros. Alors oui, c'est cher. Et personnellement, je trouve que cette porte n'apporte pas tant que ça par rapport à une 500 traditionnelle.